bienvenue en ce jour de la Saint-Valentin à nos amours encore plus amoureux. Amélie et François, ils viennent d'Anières-sur-Veille, c'est les Pays de la Loire. Evelyne et Aldo, Saint-Denis d'Orque, les Pays de la Loire. Et Sabrina et Mickaël, devinez, eh bien, ils viennent des Pays de la Loire. Et on accueille notre cupidon en chef, voilà, c'est peut-être des amoureux, celui qui fait tous les jours l'amour, Bruno Guillon. Bonjour. Merci Pascal. Merci le public, merci à vous de nous suivre comme chaque matin sur France 2, bienvenue. Bienvenue sur notre fête nationale à nous des amours. Nous sommes le 14 février, voilà, c'est un petit peu notre 25 décembre, notre 31 décembre, notre 14 juillet réunis dans une même émission. C'est un peu notre fête nationale à nous et du coup, à chaque 14 février, on essaye de faire quelque chose d'un petit peu spécial. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, vous allez le voir, avec les trois couples qui vont nous accompagner. Ils sont tous de la même région et pour cause, vous êtes de la même famille. Sabrina et Amélie sont sœurs, avec les grands-parents qui sont au milieu. On va avoir des anecdotes. Evelyne, attention, vous connaissez peut-être pas tout sur vos petites filles, je préfère vous le dire. Par exemple, bon, Sabrina et Mickaël. Mickaël sortait avec la meilleure amie de Sabrina avant qu'ils se rencontrent. Moi, je veux bien. Ouh, c'est pas grave, bien sûr, bien sûr. Evelyne, Aldo, quand vous dormez, il vous a pris en photo toute nue. Oui, je sais. Bon, voilà, très bien. Vous le saviez, ça, votre grand-mère, ou pas? Non, bah ça, bon, je vous dis, j'ai des infos, j'ai des infos. Et, oh, bah François, il a un petit doudou. Oui. Oh. Mais alors, le doudou, en plus, c'est le foulard à mémé. C'est le foulard de mémé? Ouais. D'accord. J'ai toujours avec moi. D'accord. Mais là, il est où, alors? Il est sous mon lit. J'ai emmené mémé avec moi. Bah, vous avez mémé, là. Voilà. Valez mieux ça que le contraire, que mémé sous le lit, puis le foulard assis. Tant qu'à choisir. C'est la spéciale Saint-Valentin des amours. On y va tout de suite avec la première manche. On n'est pas à l'abri d'ouvrir des dossiers de famille, alors, ce matin. Amélie, comment vous avez rencontré François? En fait, nos deux sœurs se connaissent, à moi et à François. Ok, alors attendez, parce que ma sœur à moi connaît la sœur de François. Donc Sabrina. Voilà. Voilà, connaît la sœur de François, d'accord, très bien. Et en fait, un coup, donc sa sœur est venue chez ma sœur, avec François. Ouais, je vous suis. Il m'a vu en photo. Il m'a trouvé canon, il a demandé mon numéro de téléphone. Ah, classe. Et là, tout de suite, coup de foudre et 12 ans de vie commune, 2 enfants. C'est ça. Comme quoi, ça va vite. Hein. Ouais. Sur une photo. Sur une photo. Allez, première question. Amélie, je commence avec vous. Votre homme, qu'a-t-il fait de plus romantique depuis qu'il vous connaît? Il m'a offert un week-end à Perros-Guirec en amoureux. Dans un 5 étoiles. Ah, la fameuse chanson Week-end à Perros-Guirec. Fort. Ouais. À base de thalasso, de... tout à fait. De spa, oui. De petit déjeuner au lit. Voilà. Beaucoup de choses dans le lit. De peignoir en satin. Et le reste ne nous regarde pas. C'est noté, le petit week-end à Perros-Guirec. Evelyne, oui. Votre homme, qu'a-t-il fait de plus romantique depuis qu'il vous connaît? Il m'a préparé un super repas pour le premier Noël. Ah, que vous avez passé ensemble? Oui. D'accord. Il avait préparé quoi comme repas? Un plateau de fruits de mer et puis je sais plus. Ah bah si c'est préparé un plateau de fruits de mer, c'est pas ouf non plus. Hein, non, c'est lui qui l'avait fait. Ah, c'est lui qui l'avait fait. Oh, il était allé pêcher lui-même les huîtres, les crevettes, les langoustines. Il a tout préparé, nickel. Ouais. D'accord. Oui, parce que pour info, ça fait 3 ans que vous êtes avec... 4 ans que vous êtes avec Aldo. Donc c'est... Ça fait 4 ans aujourd'hui. 4 ans aujourd'hui, très bien. Sabrina, une demande de mariage par la radio locale. Là, de chez... Mais non. Mais si. Oui, c'est-à-dire, il a appelé la radio. En fait, il y avait un concours de poèmes. Oui. Et les 10 premiers poèmes passaient à la radio. Et il a été parmi les 5 premiers, donc c'est passé à la radio. J'ai eu un petit bouquet de fleurs qui a été livré par la radio locale de chez nous, à la maison, avec la petite demande qui est passée à la radio. Classe. Mais est-ce que, du coup, vous étiez vous aussi en direct à la radio pour dire oui ou non? J'étais dans ma voiture. Ah. Parce que moi, j'aurais fait ça à la radio, je vous aurais eu à l'antenne. Enfin, je dis ça, je dis rien. On y va avec la deuxième question, Evelyne. Si 1 mois après votre rencontre, votre compagnon vous avait dit « Au fait, chérie, je ne connais même pas ton poids, tu ne me l'as pas dit », quelle aurait été votre réaction? Vous auriez assumé et vous lui auriez dit « Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat ». Ou alors vous vous seriez offusqué. Non mais ça va pas, ça se demande pas. Ou alors vous auriez triché et vous lui auriez donné le chiffre. Mais hors taxe. Non. La première, vous auriez assumé? Mais bien sûr, il faut assumer. Sabrina? Ah, j'assume pas, moi. Ah. Donc, on serait parti sur un tarif hors taxe? Non, non, non. Ah, même pas? Offusqué? Ouais. Ça se demande pas? Non. Très bien. J'assume. Vous assumez? Ouais. On est comme on est. Exactement. Eh bien, bien sûr. C'est pour ça que je vais peut-être respirer, parce que depuis tout à l'heure, je rentre le ventre. Sabrina, troisième question. Votre vie de couple, elle est basée sur un régime... Je parle plus de poids, vous allez voir. Sur un régime démocratique, vous prenez toutes les décisions d'un commun accord. Sur un régime anarchique, vous n'êtes pas souvent raccord. Ou alors monarchique, vous êtes la reine et lui, le prince consort. Non, non, la première, c'était... La première, c'est démocratique. Oui. On a toutes les décisions d'un commun accord. Oui. Vous êtes d'accord sur tout? Ah oui, moi, je suis pas contrariante. D'accord. Amélie? Pareil, démocratique aussi. Démocratique? Ouais. Ah non, moi, je suis la reine. Faites-moi, Evelyne, faites un petit signe de reine Elisabeth II, comme ça, un petit bonjour de reine. Non, non, non. Un petit bonjour de reine, voilà. Ouais, la reine Evelyne. Ouais. Bon, ben, il y a le prince consort qui revient, alors. Sabrina, Mickaël, mariage bientôt, c'est prévu pour cet été, juillet? Oui. On va faire attention à ne pas tomber dans une fosse septique. Hein? Ah, vous dites, pourquoi il dit ça? Parce que j'ai mes infos. Vous pouvez nous expliquer ce qui est arrivé à un mariage de potes, Sabrina? C'est le mariage de ma tante. Et on prenait des photos, il y avait la mariée qui était là, moi, et je suis tombée dans la fosse septique. Mais c'est-à-dire, il n'y avait pas de, y avait de une trappe, il y avait... Si, mais elle tenait pas, en fait. Elle a cédé. Hein. D'accord. Sympa, la tenue. Ah oui, bah, je suis partie. Hein. Oui, mais ça, vous vous en êtes bien sorti. Ah oui, 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 oui. De la fosse septique. C'est ça. Oui. Allez, on y va avec la première question, Mickaël. Qu'avez-vous fait de plus romantique depuis que vous connaissez Sabrina? C'était un jour de Saint-Valentin. Alors, je ne me rappelle plus exactement l'année. Ça devait être en 2012 ou 2013. Je lui ai écrit un poème et je l'ai envoyé à une émission de radio locale par chez nous. Voilà. Je pense que ça doit être ça, là. D'accord. Et le thème du poème? Le thème du poème, c'était quoi? C'est loin tout ça. Ouais, c'était l'amour. Oui, enfin, c'était une demande en mariage. C'est pas si ça marque quand même. Ah oui, c'était une demande de mariage. Ah oui, bah oui, tiens, dis donc. Sabrina. Et le gars qui dit ouais, c'était loin, bah quand même. Ah. Non, moi, une demande en mariage, ça m'a... Non, mais en fait, c'est qu'il avait fait plusieurs poèmes sur plusieurs radios, donc il savait plus trop, là. Mais vous vous souvenez du texte ou pas? Ah, il faisait... Il faisait une page. Oui, mais c'était quoi? Ma belle Sabrina, je ne pense qu'à toi. Quand je vois au matin s'envoler les oies, j'ai l'impression de m'envoler avec toi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est bon pour vous. Vous marquez vos 10 premiers points. Aldo, qu'avez-vous fait de plus romantique depuis que vous connaissez Evelyne? Eh bien, je lui ai offert un tour d'hélicoptère dans la baie du Mont Saint-Michel jusqu'au, pour qu'elle puisse voir le Saint-Michel. D'accord. Sur le mont. Oui, parce qu'en général, c'est ce qu'on regarde si on fait un tour d'hélicoptère dans la mer. Alors, il y a un rapport avec la mer, mais ça n'a pas du tout un rapport avec l'hélicoptère. À moins que, depuis l'hélicoptère, vous ayez chassé des huîtres et des langoustines. Evelyne, elle nous a parlé. Tenez, montrez le petit panneau, Evelyne. Du repas de Noël que vous lui aviez préparé. C'est dans ce sens-là. C'est vrai, ben c'est vrai, oui aussi. Oh bah oui, mais tellement de choses. Voilà. François, il y a plusieurs choses que j'ai fait, plusieurs choses. Il y a le bouquet de fleurs à la sortie de son travail, ou il y a un week-end dans un hôtel en Bretagne aussi. Je pense qu'elle a répondu l'hôtel. Elle a répondu l'hôtel? Ouais, je pense. Je sais pas. On lui demande. On lui demande. Allez, hop, on a répondu l'hôtel. Bah oui. Bah, et quand même, François, entre un hôtel 5 étoiles et un bouquet de fleurs, alors je sais pas en quoi étaient faites les fleurs, mais peut-être que les fleurs m'ont coûté plus cher que l'hôtel. Ça, on ne veut pas le savoir. J'étais pas sur une notion de prix, mais... Ouais, non, parce que l'hôtel, bah, c'est comme mon beau-frère, je l'ai gagné un concours à la radio. Fallait envoyer un poème. Parce qu'on est radins tous les deux, alors c'est pour ça. Aldo, deuxième question. Si un mois après votre rencontre, vous lui aviez dit « Au fait, chérie, je ne connais même pas ton poids, tu me l'as pas dit », elle aurait réagi comment, Evelyne? Elle se serait offusquée? Non, mais ça va pas, ça se demande pas. Ou alors elle aurait assumé, elle vous l'aurait dit, bon, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Ou elle aurait triché, vous aurait donné le chiffre, mais hors taxe. Bon, c'est plutôt hors taxe, hein, le prix. Elle aurait menti? À la tête d'Evelyne, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'elle a répondu. Evelyne, montrez votre petite pancarte. Oh, non, elle nous avait dit, elle, regardez, qu'elle assumait. Ah oui. Aucun problème. Bah oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Bon. Je m'en fous. Elle assume. Voilà. Vous pouvez lui ramener des fruits de mer avec du pain, de la mayonnaise. Il n'y a pas de souci. François? Bon, je pense, elle assume. Elle assume, Amélie? Elle assume. Michael. Ah, se serait offusquée. Ouais. Elle se serait offusquée, Sabrina. J'ai l'impression que vous la connaissez par cœur. C'est une bonne réponse. François, votre vie de couple, elle est basée sur un régime démocratique. Vous prenez toutes les décisions d'un commun accord. Déjà, il se marre. Et lui aussi, c'est-à-dire que vous connaissez un peu ce qui se... Remarquez, ça serait amusant de comparer, je vous demanderai après si vous dites la vérité. Sur un régime anarchique, vous n'êtes pas souvent d'accord, ou sur un régime monarchique, elle est la reine et vous le prince consort? Je dirais anarchique. Anarchique? Vous n'êtes pas souvent d'accord? Ouais. Amélie? Démocratique? T'es nul. Sabrina, du coup, vu que vous connaissez bien votre sœur, lequel des deux ment? Amélie. Amélie, elle s'est dit, je viens à la télévision, je vais donner bonne image du couple. On sait comment c'est, hein, c'est souvent le cas. Michael? Monarchique. Monarchique, c'est Sabrina qui décide, c'est la reine-mère. Allez, bah oui. Amélie? On en rediscute après ou comment ça se passe? Moi, j'aurais dit anarchique aussi. Bah quand même. Bah, alors? Bah quand même. Bah c'est toi qui décides, c'est moi qui paye. Aldo, alors avec Evelyne, démocratique, anarchique ou monarchique? Démocratique, tout simplement. Démocratique, vous prenez les décisions d'un commun accord? Oui, tout à fait. Oui, oui. Absolument. Oui. Evelyne, absolument, bien sûr. Oh bah merde alors. Elle nous a pas du tout vendu ça, Aldo. C'est moi qui décide. Après, je demande ton avis. Ah, oui, mais tu me demandes l'avis quand même. Mais... Je décide, ça c'est vrai. Oui, enfin, si elle vous demande l'avis et que vous dites blanc et qu'elle dit ouais, mais de toute façon ce sera noir, oui, c'est pas démocratique. Elle me demande avant, par exemple, elle m'a arraché des pommiers, des arbres, et puis après elle me dit qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses si j'arrachais les pommiers? Oui, donc c'est monarchique en fait. C'est ça en plus. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 0 pour l'instant pour les jaunes, 15 pour les rouges et 15 pour les bleus. Ça va être à vous, messieurs, de répondre à mes questions dans quelques minutes. Le temps pour Pascal de nous parler du prochain casting des Amours. Absolument, Bruno. Alors, nous irons à Paris, en région parisienne. Ce sera le 2 mars pour trouver nos futurs couples de candidats. Et puis, direction Orléans et Amiens, le 4 mars. Vous choisissez la date qui vous convient. Vous vous inscrivez au casting des Amours sur notre site france.tv. Et puis, on a des cadeaux pour nos couples. Pour combler les amoureux, Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir une composition de chocolat à partager avec les loups de son cœur. François, on y va avec votre première question. Quel est l'endroit le plus insolite, elle va être gênante cette question avec la grand-mère, où vous avez fait l'amour ensemble? Non, bah après, dans la famille, on est assez ouvert. Je dirais sur la table de la salle à manger de mes parents. Vos parents regardent l'émission? Oh, je pense. Ils vont être contents. Les amis de vos parents regardent l'émission? Je pense. Eh bien, ils vont penser à vous au prochain dîner, je peux vous le dire. On leur souhaite un bon appétit. Eh bien, super. Aldo, alors? Eh bien, c'est dans une chambre que j'ai aménagée dans l'ancien grenier. Et bon, c'est une petite chambre. Et on est monté à l'étage, à poil dans l'escalier. C'était comme la course à l'échalote. Hein, d'accord. Et nous avons essayé. J'ai un ballon gonflable en forme de haricot. Oui. On a dit on va faire l'amour là-dessus. Oui. Et puis ben, on a essayé, il manque de peau. Nous avons roulé, on s'est retrouvés les quatre fers en l'air. D'accord. Finalement, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas super marché. Mais on a continué sur la moquette. Sur la moquette, très bien. Ouais. Donc, c'était dans la petite chambre... D'accord, très bien. Voilà. Vos chéris, quant à la vision de la grand-mère. Enfin, bon, bref. Michael. Sans hésiter, en vacances au Croisic, sur la plage du Croisic. Sur la plage du Croisic. Vous étiez avec tous les deux? On était partis en vacances à la Baule. On a été manger au restaurant tranquillement. Puis après, on a été marcher sur la plage du Croisic. Et puis, bah... D'accord. On s'est arrêté sur un rocher, quoi. Ok. Je pense que c'est toi qui as eu l'idée. Tout à fait. Ah oui, oui. C'est pas Sabrina. Ouais. D'accord. On a les mêmes. Eh ben, sympa la balade. Deuxième question, Aldo. C'est la Saint-Valentin et votre fille de 14 ans ramène un bouquet de fleurs offert par son petit copain. Comment réagissez-vous? Vous êtes agacé, bah, il veut pas t'épouser tant qu'il y est. Vous êtes attendri, oh, bah, c'est vraiment trop choupiné. Ou vous lui piquez le bouquet et vous l'offrez à votre femme en disant pas un mot à ta mère. Non, 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 je félicite, je vais pas... C'est gentil, mais... Elle a 14 ans. Oui, et ben à 14 ans, elle a intérêt à faire attention quand même. Oui. Wow. Bon, alors donc... Wow. Mais vous êtes attendri quand même, c'est trop choupiné. Ça fait plaisir, oui. Ça fait plaisir. C'est gentil. Bon, très bien. Ça reste là. Mais pas plus que ça, ah ben pas plus loin que le bouquet. Non. D'accord. Michael. Non, moi, il faut que j'imagine, parce que j'ai 4 gars, j'ai pas de filles. Mais je dirais que si j'aurais une fille, moi, je serais ébouriffé. Ébouriffé, ça tombe bien, je ne l'ai pas. Vous êtes agacé, attendri... Agacé, agacé. Ça. Ébouriffé. Bah, il faut les cheveux, déjà, pour ébouriffer, Michael. Agacé, c'est noté. François. Agacé. Agacé. Oui. Vous avez une fille? Oui. Quel âge elle a? 4 ans et demi. Plus que 10 ans. Il y a des gens les 10 ans et quand ça, ça bouge pas, ça arrive pas au coin de la rue, t'inquiète. Allez, troisième question, Mickaël, c'est la question bonus. Si votre femme vous demande « Est-ce que tu m'aimes ?» alors que vous êtes en train de regarder le classico PSG Olympique de Marseille. Allez l'OM. Qu'allez-vous, bah évidemment, qu'allez-vous lui répondre? Oui. Ou alors à la folie? Ou alors, qu'est-ce que t'as dit? Oui. D'accord. Branché foot? Si tu peux t'en aller, ça serait pas mal. Si quoi? Si tu peux aller plus loin, ça serait pas mal. Ah, pourquoi? C'est supporter de Paris? Ah, je peux pas bouger, moi j'ai une étoile sur mon maillot. François? Oui. Oui, pareil? Oui. Mais... Branché foot? Oui, mais pour Marseille. C'est sympa les repas de famille. Et non, il faut savoir que dans notre village, on est dans deux équipes qui s'aiment pas trop. Solem et Aubert. D'accord. Un petit bisou aux joueurs de Solem. Et vous, c'est même pour Aubert. Allez, Lucas. Et vous, alors, Aldo? Moi, je préfère faire l'amour que de regarder le foot. Bravo. Bravo. Donc du coup, ce serait plus à la folie, alors vous? À la folie. Très bien. Bon, eh bien écoutez, on va voir qui va gagner le match ce matin. Vos chéris reviennent. C'est une histoire de famille ce matin dans Les Amours pour la spéciale Saint-Valentin, puisque Sabrina et Amélie sont sœurs et Kevlin et leur grand-mère. Du coup, vous savez que... Aujourd'hui, le cadeau, c'est un voyage direction la Guadeloupe. Oh, c'est pas vrai. Magnifique. Donc là, Evelyne, il n'y a plus de petites filles qui tiennent, on s'en fout, on fonce. Hein. Ah oui, je vais. Allez, on y va avec la première question, Sabrina, c'est pour vous. Quel est l'endroit le plus insolite où vous avez fait l'amour ensemble? Évidemment, je vous préviens tout de suite, j'ai posé cette question à Aldo. Hein, donc vous avez... Oui, non, pour que vous commenciez à visualiser un peu. Moi, je sais. Eh bien, vous allez nous dire tout à l'heure. Enfin, pour vous ou pour la grand-mère? Pour la grand-mère et pour moi. Hashtag gênant. Sabrina. Sur un rocher sur la plage. Sur un rocher sur la plage. Michael. Du coup, votre beau-frère, il a dit, bah ça, l'idée, elle venait de Michael, elle venait pas de vous. Non, vous, c'est plutôt dans les toiles de tente, vous avez une petite... Bah, plus maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans la toile de tente? Des jumeaux. Donc, il veut plus. Ah. Non. 4 enfants, du coup. Oui. 4 garçons, c'est quoi les prénoms? Enzo, Nathan, Tom et Mathis. D'accord. Et bon, on les embrasse. Hein. Okay. Ils ont quel âge? 13, 10 et les jumeaux 5 ans. D'accord. Ah oui, donc c'était il y a 5 ans l'histoire de la toile de tente. Oui, c'est ça. Et c'était où la toile de tente? C'était dans les Landes. Dans les Landes. Mmh. Ah, bah, vous étiez là aussi? Bah, non, non, mais je suis au courant de tout. Amélie, vous êtes au courant de la vie sexuelle de toute la famille ou comment ça se passe? Ils font toutes les plages de France. C'est ça. C'est une tournée. C'est ça. Evelyne, alors, l'endroit le plus insolite où vous avez fait des câlins avec Aldo? Moi, c'est dans le grenier. Dans le grenier? Ouais. Avec le haricot gonflable? Oui. Les 4 fers en l'air? Oui. Ouais, j'ai toute l'info. On a des photos, regardez. Aldo, en effet, c'est ce qu'il nous a dit. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Wow. Vous pouvez m'expliquer comment vous connaissez la vie sexuelle de votre grand-mère? Je suis au courant de tout, moi. Amélie, et est-ce que vous êtes au courant de votre propre vie à vous, Alain? Oui, quand même. Bah, j'y participe, donc oui. Alors, c'était où? J'hésite. Ah, ça veut dire qu'il y a une... Bah, dites-nous tous les endroits, on verra, on fera le tri. Bah, j'hésite entre deux. Alors? Soit la dune du Pilat. Ah, mais c'est quoi votre délire avec la plage dans la famille? C'est quoi ce truc? Sur la dune, en plus. Soit chez les beaux-parents, mais bon, ils sont pas encore au courant. Donc. Ah. Ah. Où ça, chez les beaux-parents? Sur la table de la salle à manger, par exemple. Ah, sympa. Je pense que je vais dire ça. La table de la salle à manger de mes beaux-parents. La plage, au final, c'est... Oui, bah, c'est classique. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde le fait dans la famille. Donc, François. Amélie. Désolé, beau papa, belle maman. Alors, comment ils s'appellent, beau papa et belle maman? Chantal et Alain. Chantal et Alain. Voilà, hop. Chantal et Alain. Prochaine bouffe de famille, ça va être sympa le repas. Evelyne, deuxième question, c'est la Saint-Valentin et votre fille de 14 ans ramène un bouquet de fleurs offert par son petit copain. Comment va réagir votre chéri? Il est attendri, il trouve ça vraiment trop choupiné. Il est agacé et il va dire non mais ça va, tu veux pas l'épouser tant qu'il y est? Ou alors il lui pique le bouquet et vous l'offre en disant à sa fille pas un mot à ta mère. Non, il attendrait. Il attendrait, il trouve ça vraiment trop choupiné? Oui. Aldo, c'est une affaire qui roule, en effet, il attendrait. Ah. Amélie. Il est agacé, je pense. Il est agacé, tu veux pas l'épouser tant qu'il y est? Il veut pas t'épouser. C'est une bonne. Sabrina. Moi, j'hésite entre agacer ou alors il lui pique le bouquet. Pourquoi il est un peu radin? Ouais, un peu. Avec, en général, quand on dit un peu, c'est beaucoup hein, dans les Allemands. C'est vrai. Un peu, ça dépend. Il lui pique le bouquet. Il lui pique le bouquet, tu dis rien à ta mère? N'importe quoi. Un gosse. Pourquoi? Après, c'est compliqué, ils n'ont pas de filles. Ouais, en plus. Bah, parce qu'à 14 ans, tu n'ouvres pas un bouquet de fleurs devant les parents. Quoi. Bah, du coup, tu lui piques. Ah oui. Michael, c'est que de la télé, hein, faut se... Ah, bah, y a pas... Ça, et qui coule, hein, tout va bien. 15 points pour les jaunes, 25 pour les bleus, 30 pour les rouges, qui sont pour l'instant en tête. La question bonus vaut 15 points, elle va vous départager juste après ça. Marine, si vous demandez à Aldo « Est-ce que tu m'aimes ?» alors qu'il est en train de regarder le classique PSG-OM, on parle de football, que va vous répondre votre chéri? Il va vous faire « oui » ou « à la folie » ou « qu'est-ce que t'as dit ?» Non, à la folie. À la folie? Oui. Pourquoi le foot, c'est pas son truc? Non. D'accord. Aldo, j'ai envie de vous dire, c'est une affaire qui roule. 15 points pour vous. Sabrina. Alors. Il y avait à la folie. Il y avait oui. Alors oui, il vous écoute ouais. D'une oreille. Ouais, c'est ça, ou alors à la folie, ou alors qu'est-ce que t'as dit? Oui. Oui. Michael. Amélie. Pareil. Oui. Qu'est-ce que t'as dit? Oui. Ah, bah, c'est moi, la mieux alors. Ouais, c'est toi l'ami. Ouais. C'est toi qui as le prince charmant. Oui. C'est une bonne réponse. Amélie, François, vous êtes les amants du jour. Bon, et ça sera quand même des bons souvenirs à raconter au prochain repas de famille. Ah oui. Sabrina, Mickaël, Evelyne, Aldo, voici vos cadeaux. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Amélie et François, aujourd'hui c'est la spéciale Saint-Valentin. Je peux vous dire qu'on vous fait du beau cadeau pour la spéciale Saint-Valentin. C'est un séjour en Guadeloupe. Waouh. Que vous pouvez gagner, s'il vous plaît, direction Saint-François. Est-ce que vous êtes prêts? Exactement, ouais, c'est vrai, c'est pile poil. Comme quoi, ah oui. Michael, Saint-Michael, ça n'aurait pas marché, Saint-Aldo non plus. La vie est bien faite, c'est fou. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Amélie, François, on y va. François, Amélie connaît-elle? Top, votre pointure? Oui. 41. Le pays étranger que vous aimez le plus? Oui. L'Islande. Votre parfum de glace préféré? Oui. Vanille. La chanson qui vous fait pleurer? Non. L'heure à laquelle vous vous couchez en semaine? Non. Votre film préféré? Oui. Rasta Rocket. Le genre de sous-vêtements que vous détestez porter? Oui. Les slips. Votre sauce préférée pour les pâtes? Oui. Carbonara. L'homme à qui vous écrivez des textos le plus souvent? Non. La somme que vous retirez généralement au distributeur? Non. La partie de votre corps que vous pourriez vous faire tatouer? Oui. Le mollet. Et c'est gagné! Vous partez à la Guadeloupe! Et oui, Amélie et François, Corsaire, compagnie aérienne régulière et long courrier, vous emmène en Guadeloupe. Vous séjournerez au Bois Chic Hôtel et Golf à Saint-François. Vivez une semaine en amoureux au rythme des Caraïbes avec Corsaire et des hôtels et des îles. Amélie, regardez en plus, un petit bouquet de roses également pour votre grand-mère, votre sœur. Je vous fais un bisou. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu sur le plateau des Amours. Bonne fête à tous les amoureux, les amis. Profitez-en bien de ce 14 février. Je vous embrasse tout de suite, c'est Nagui. Nagui, je t'aime. Et pour venir jouer avec nous aux Amours, France.tv.